jaune, rouge et mauve. C'est parce que c'est mon nom, pas mauve. Et pour finir en beauté, picoté. Non, je prendrai sûrement pas ça. Je m'excuse, là, mais non. Non. Mesdames et messieurs, afin d'élever d'un cran le niveau de sécurité sur cette île, je vous ai à chacun distribué, mis à part Monsieur ci-dessous, un bandeau fluorescent, idéal pour se retrouver en forêt. Ben voyons donc, c'est une petite affaire de même, bonne fête. Idéal pour se retrouver en forêt. C'est pour cette raison que dorénavant, je vous appellerai par vos couleurs. Ça me sauvera du temps, je ne perdrai sans doute pas 2 heures de ma journée à apprendre tous vos noms, bien évidemment. Hey boss! Moi aussi j'avais un bandeau! D'accord, Jacqueline. Prends celui de ce rebelle insouciant. Et franchement, c'est ridicule comme système, ça. S'il vous plaît, Verpal. Non, là, ça n'a pas de bon sens, là. On perd notre temps avec des bandeaux. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, qu'est-ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de pas être capable de partir de ce style-là. Justement, Mauve, l'escouade policière de Châteauguay, aussi prestigieuse soit-elle, possède une trousse de survie. Une trousse unique que j'ai bien sûr apportée sur cette île. Une trousse qui me suit depuis mes débuts dans la police en 1984. Une trousse exceptionnelle qui n'a jamais été ouverte. Aujourd'hui, devant vous, je l'ouvrirai, car nous sommes en situation d'alerte. Va chercher la trousse, Jacqueline. Alors, on y trouve une sandwich à la dinde garnie d'une succulente tranche de bacon, cette banane fraîche, ainsi que ce téléphone d'urgence. Tut, restons calmes. Tout le monde aura sa part du sandwich, ainsi que son petit dessert. Hey, arrête de gosser, puis appelle. Justement, Picoté, j'en arrive à ce point. Ce téléphone n'est utile que pour un appel. Oh my God! Et pour mettre toutes les chances de notre côté, j'ai décidé d'appeler la personne la plus susceptible de nous aider en ce moment, c'est-à-dire mon frère jumeau, Marcel. Sergeant, êtes-vous sûr que vous ne voulez pas appeler la police? Jacqueline, s'il vous plaît, laissez-le appeler son frère. Il sait ce qu'il fait. S'il vous plaît, appelez la police. Mais je suis la police. Ça sonne. Ouais, allô? Salut, Marcel. Ça roule? Mais qu'est-ce qui roule? J'ai un petit service à te demander. Ce matin, je me suis échoué sur une île, si je peux m'exprimer ainsi, avec 6 personnes et mon équipe. Ouais, puis... Si tu veux nous aider, surtout si tu n'as vraiment rien d'autre de prévu dans ta journée, est-ce que tu aurais l'amabilité ou l'extrême gentillesse de bien vouloir prendre le tout nouvel hélicoptère de l'escouade policière de Châteauguay et venir nous chercher sur cette île? Hey, wow, le Jésus de ma vie. Regarde, écoute, je te rappelle, OK? Ne raccroche surtout pas! Il ne faut pas que tu raccroches, Marcel! Bon, OK, là, je déjeune puis je m'en viens. Vous, mon petit monsieur. Ça a l'air évident, mais ça, mon comique, vous m'auriez fait retour d'hélicoptère. Wow, ça a l'air rabine, monsieur. Vous m'avez demandé de retourner chez vous, s'il vous plaît. Le grand, oui, t'as l'air jeune, pis t'as pas l'air à comprendre trop d'eau, mais ça marche. Mon frère, moi, le sergent, les tourneaux, vous allez. Oh! T'as dit que Dine, là, je pense que je vais prendre place. Allez-y, monsieur, allez-y, laissez-moi vous ouvrir la portière, même. En passant, là, ça fait 15 minutes que je dis ça, fait que. Est-ce que tout va bien, Marcel? Bon, OK, je suis prêt. C'est quoi, les pitons? Tourne la clé et active les moteurs.
en direction est-nord-est. Au rivière du nord-ouest-est. Mesdames et messieurs, bonne nouvelle. Tout est sous contrôle. Mon frère Marcel arrive d'un instant à l'autre. Ha! Va te croire, mec, je le vois, sergent. Mais où es-tu, Marcel? Je vois un lac. C'est un lac, ça me semble, là. Je vois des oiseaux, là. Il y en a un qui est foncé dans les restos. Ouais, là, je vois quelqu'un en bateau avec les cheveux jaunes, là, mais il me fait salut. Marcel, j'espère que tu arrives à me voir parmi ces guignols incrédules qui font des simagrées. Mais c'est quoi ce piton-là? Mais bon sang, Marcel! Cesse de t'amuser et concentre-toi sur ton amérissage. C'est quoi ce piton-là? Oh, ça va plus!